Bonjour. Comment allez-vous? Bonsoir, pardon. Veuillez partager le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Naël. Bonsoir Bernie. Partagez le live. Bonsoir Marie-Marie. Comment allez-vous? Partagez massivement le live, s'il vous plaît. Les commentaires, vous allez les faire après. Il faut d'abord partager le live. S'il vous plaît, merci. Bonsoir, pardon. Veuillez partager le live. Partagez. On va venir rire ici, oh, parce que vous allez rire. Vous allez rire jusqu'à les choses de la canne à sucre, l'expulsion de la canne à sucre des blogueuses de l'État. Vous allez rire jusqu'à. Partagez, partagez, partagez la famille, partagez. Bonsoir tout le monde. Partagez massivement. On partage, on fait les cœurs. On partage, on fait les cœurs. On partage au maximum. Bonjour, bonsoir. Partagez, partagez le live. La façon qu'on a balancé l'autre dans la voiture, là, vraiment. On partage, on partage, on partage. On partage. Partage, 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 partage. Et faites les cœurs, s'il vous plaît. On partage, on partage. Faites les cœurs. Bonsoir Flore, bonsoir Anaël. Partagez, 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 partagez. Alors, on va commencer, hein? Parce que je n'aime pas attendre, pardon. On partage, faites les cœurs en même temps, partagez et faites les cœurs, je vous prie. Vous partagez le live, partagez massivement, partagez et faites les cœurs. Faites les cœurs et vous partagez. Alors, on va commencer. Alors, les blogueuses de l'État ont été expulsées au Cameroun. Je vous ai d'abord fait la première partie la dernière fois. Aujourd'hui, alors les renseignements m'ont envoyé certaines informations pour que je puisse vous dire. Voilà, donc on va commencer d'abord par le moment où elles ont été expulsées. Alors, comme je vous l'ai dit tantôt, le DCC, Monsieur Vondo Yole, je crois, il était allé à l'hôtel au Mont-Fébé à midi. Voilà pour s'enquérir de la situation. Parce qu'il a été convoqué, comment dire, il était interpellé par le président de la République, M. Paul Biya. Voilà, donc, il allait à l'hôtel. Et apparemment, il y a les barman du bar, là. Voilà, comme Tata Lolo était calme et tout. Voilà, elle était sérieuse à l'hôtel, malgré, apparemment, les gémissements. Je ne sais pas si c'est vraiment l'affaire des gémissements, là. Parce que quand Tata Lolo était à l'hôtel, elle faisait des lives.
Mais j'aurais entendu, j'aurais lu, j'aurais, voilà, on m'aurait dit, voilà, que non, elle était en train de gémir, voilà, à 5 heures du matin. Ben, c'est entre guillemets, hein. Donc, du coup, il y a un barman qui a dit à Tata Lolo que non, le DCC est là. Le DCC est là. Et puis, elle est partie. Tata Lolo est partie. OK? Tata Lolo est partie. Donc, du coup, pardon, Nicole Tchatche, faut pas venir me. Tu n'as rien à te, tu n'as pas, tu n'as rien à me dire ici, hein. Tu me laisses parler. Tu me laisses parler. Tu n'as rien à me dire. Tu écoutes ce que je dis. C'est tout. Si ce que je te dis te dépasse, tu pars, tu reviens après. Tu vas demander à qui a peu de tenue. Qu'est-ce que j'ai eu à dire? J'ai insulté quelqu'un. Pourquoi vous êtes comme ça, vous là? Tu m'as vu insulter Tata Lolo. Je vais insulter Tata Lolo que j'ai écrit. On a écrit sur WhatsApp. Tu m'as vu insulter. C'est pas vous-même, vous avez publié ça sur Internet là-bas. Oh, fatigué le monde, hein? Alors, Tata Lolo est parti. Donc, Aline Zoumoubem est restée et la veuve d'Aigrément. Donc, c'est à 17h, vers 17h, 16h, voilà que la brigade, moi j'appelle ça bir, hein, la brigade, voilà. C'est pas le bir parce que j'aime pas dire le bir. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui fait les têtes de mort ici. Faites les cœurs et partagez le live. Donc, la bir, vous ne pas dire le bir comme vous voulez, prenez ce que vous voulez parce qu'il y a brigade, il y a un autre là, le bir, on appelle le, je ne sais pas, bref. Voilà, fiche-nous la paix. Je te bloque. Bye bye. Alors, le bir a fait une descente musclée à l'hôtel Montfébé à 16h, vers 16h, 17h. Voilà. Donc, Aline Zoumoubem était à l'hôtel. Voilà. Donc, ils ont dit à Aline Zoumoubem de arranger les choses parce qu'elles doivent être expulsées du Cameroun. Voilà. Donc, Aline Zoumoubem a dit qu'elle n'a pas son passeport. Les renseignements, le bureau a dit que même si tu n'as pas ton passeport, on te fera un laissez-passer. Tu pars aujourd'hui. OK? Alors, donc, la brigade, une brigade, merci, brigade d'intervention. Donc, elle a dit qu'elle n'a pas son passeport. Voilà, la BIR a dit que non, tu vas souffrir que partir aujourd'hui. C'est là qu'ils ont commencé à faire, c'est là qu'elle a cru, qu'elle a vraiment vu qu'il y a du sérieux. Le passeport est sorti. Donc, là, c'est Aline. Et la veuve d'Aigrément a dit que non, elle est indisposée. Voilà. Qu'elle est indisposée, on appelle ça comment au Cameroun, les macraques, hein, le macraca. Attendez, je vais voir ça là. C'est écrit ici. 2 secondes, partagez-moi le live. C'est ici, voilà, c'est là. Elle puissait mardi nuit. Les blogueuses sont rentrées. Une a dit qu'elle a les madras. Les madras, voilà. Les madras, elle a risqué la bastonnade. On lui a dit une. Nous-mêmes, on allait lui mettre le papier hygiénique. Donc, du coup, elle avait la madre, les madras. Elle ne voulait pas rentrer. Donc, du coup, on dit que même si tu as les madras, c'est les madras, non? Voilà, les madras. Même si tu as les madras, tu vas sauf que partir. Tu vas sauf que partir. On va te prendre les papiers hygiéniques, tu vas mettre ça pour que tu puisses. Hey, mon Dieu. Faites les cœurs, mon Dieu. Donnez-moi le nom de la personne qui fait tête de moi là, je veux bloquer la personne en même temps. Je vous ai dit que vous allez rire jusqu'à. Vous allez rire. Donc du coup, elle a dit qu'elle a les madras. Attendez, on va parler sérieusement. Vous dites que ce sont des mamans. Je vous comprends pas votre hypocrisie.
Vous êtes hypocrites. Donc c'est sur moi que vous voulez dire qui ce sont des mamans. Vous êtes les premiers à publier leurs photos sur les réseaux sociaux nus. Vous êtes les premiers à traiter ces femmes-là de bordel, de prostituées. Qu'elles ont gaspillé, elles ont sali le gouvernement, le nom de Papa Paul Biya. C'est maintenant à moi que vous venez dire que non, un peu de tenue. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Un peu de tenue sur qui? Donc c'est comme les renseignements m'ont dit, je vais vous raconter, c'est maintenant à moi que vous venez dire de faire un peu de tenue. Ça va pas chez vous. Quand vous avez publié la vidéo de Tata Aline, où Tata Aline dit que non, je vends le bois bandé, c'est moi. Le bois bandé, c'est moi qui ai venu dire que non, le bois bandé pour les autorités, c'est moi. Un peu de tenue. Donc c'est sur moi qu'on voulait voir les tenues. C'est sur mon corps que vous avez vu les tenues. Oh! C'est le vampire. Maintenant, vous êtes des sorciers. Faites les cœurs. Appuyez les cœurs comme ça. Et partagez-moi le live, s'il vous plaît. Oh, est-ce que moi j'étais? Même ils ont publié Tata Aline. Que Tata Aline a dit que le bois bandé, c'est moi. C'est maintenant moi qu'on me dit, ce sont les mamans un peu de tenue. N'importe quoi. Donc, la maman, on a balancé, on a dit, comment elle s'appelle? On a pris, comment elle s'appelle? Dégrément, elle est dans le camion. Ils ont pris la dégré. Dégré, moi, on a jeté dans le camion. Ils ont dit que non. Tu vas aller mettre les papiers hygiéniques. Ils ont dit à Degrément, allez dans le camion. Degrément a dit, elle est indisposée. Vous savez quoi? Donc Degrément n'avait pas son passeport. Elle avait caché le passeport. Ils ont fait le passeport de Degrément en une heure. Le passeport de Degrément a deux passeports. Ils ont fait le passeport de Degrément en une heure. Parce que Degrément a dit qu'elle n'a pas son passeport. Donc, elle a caché le passeport dans le... Degrément a caché son passeport dans le zout. Donc, quand ils sont venus à l'hôtel Montfaubé, ils ont dit, Madame Degrément, on appelle la blanche, l'autre on appelle la noire, parce que Degrément est plus clair que Aline. Ils ont dit, Madame, arrangez, donc le bire était à la porte. Degrément arrangeait les choses, elle arrangeait. On dit, ouais, on vous embarque, oh, je n'ai pas le passeport. Votre passeport est où? Donc du coup, ils ont appelé les gens qui font les passeports au Cameroun. Ils ont fait le passeport de Degrément en une heure. Donc, pendant qu'elle arrangeait les choses, qu'elle disait qu'elle avait le passeport, ils sont allés. Donc, elle a pris son passeport à l'aéroport. C'est à l'aéroport. Et comme c'était brusque, la maman de Degrément était aussi à l'aéroport. On lui a dit, ah, qu'est-ce que tu veux dire? Qui n'ont pas appelé
comme ça pour que on puisse prendre qu'on appelle ça comment? Prends tes infos et tout et tout et tout et tout et tout pour faire le truc, le passeport. C'est là qu'ils ont fait appel à sa maman. Ça m'a donné les documents et tout et tout, tout. Donc, ils ont fait le passeport de dégrément en 1 heure. Donc, elle a 2 passeports. 2. Donc, le passeport qu'on lui a fait, quand on l'a jeté dégrément. On a jeté dégrément dans le gros camion là. Elles étaient assises sur les bagages. Donc, la veuve n'est pas française. Je vous ai dit ça, que la veuve n'est pas française. Vous forcez encore. Attendez, je vous dis le message du renseignement. Bonjour. Cher, l'histoire, écoutez, c'est compliqué, hein. L'histoire des sales bosses. Non, les caméras, vous êtes forts. Écoutez, oh, l'histoire des sales bordels, soi-disant blogueuses. Une enquête est ouverte du comment on n'a pas dénoncé et faire une enquête de moralité avant. Donc, il y a une enquête, comme je vous ai dit la dernière fois, à l'ambassade. Parce que le gouvernement dit que comment vous pouvez donner les billets aux gens, vous faites venir les blogueurs sans faire l'enquête de moralité. Donc, Madame Mudouki, que vous connaissez, Madame Mudouki a des sérieux problèmes. Madame Mudouki a eu un malaise. Vous êtes informé de ça? Madame Mudouki a eu un malaise. Madame Mudouki est très mal en ce moment. Elle a eu un malaise car sa crédibilité aux côtés de la première dame est en jeu à cause de ces bordels. Aujourd'hui, tout le monde évite d'avoir un contact avec Aline Zomobem. Personne ne veut plus entendre parler d'elle. Tous ses contacts ont tourné le dos car personne ne veut risquer son poste. Je t'informe qu'au risque de l'interdiction du territoire camerounais, on risque d'interdire. Voilà, Aline Zomobem. Voilà. L'interdiction du territoire camerounais, le haut niveau est en train de pencher vers ça. C'est très grave, ce problème-là ici. Quand tu vas rentrer, voilà. Donc, la dame, Madame Mudouki, a des sérieux problèmes là-bas au Cameroun. Comme je vous ai dit la dernière fois, je vous ai dit la dernière fois qu'elle n'était pas, ne savait pas, elle ne connaissait pas en fait les noms des personnes qui étaient, elle ne connaissait pas les personnes en vue. Vu qu'elle a pris le document, elle a juste envoyé au DCC. Elle n'a pas regardé, ils n'ont pas fait et les gens les gens du Cameroun, d'ambassade, ils n'ont pas fait l'enquête de moralité pour savoir quelle femme on envoie et tout et tout et tout. C'est pas moi qui écris, hein. Ça, ce sont les renseignements qui m'envoient les messages. Hein. C'est pas moi. Et moi, un peu le matin, j'ai fait comme t'as avec les renseignements. On a fait 1 heure, 1h30. Je me suis réveillé, c'est les gens qui m'ont réveillé le matin. Hein. À 10h12. Ils m'ont appelé à 12h12. Voilà, on appelait pendant 1 heure. J'étais en train de dormir même. J'ai dit, je dors. Lui, on veut te raconter la suite. On va te raconter la suite pour que tu expliques que c'est grave. Donc, la veuve, elle a caché le passeport. Ils ont fait un deuxième passeport à la veuve. Parce que la veuve ne voulait pas. Même arrivé à l'aéroport, la veuve a dit qu'elle va aller acheter les papiers hygiéniques. On a dit rien du tout. On va aller prendre tes trucs dans le sac. Tu vas mettre les papiers. Voilà comme vous connaissez. Pour cacher les menstrues et tout et tout et tout. Vous comprenez? Voilà. Donc la veuve voulait, elle voulait pour moi l'aéroport de Miss Allen. On appelle ça comment? Comment on appelle ça? À Miss Allen, c'est ça, à Miss Allen. L'aéroport de Simalène. Similane, Simalène. Donc, elle voulait, poum. On a failli bastonner la veuve à l'aéroport. Ils ont failli bastonner la veuve. Parce que la veuve voulait faire ce genre que oui, elle veut poum. Le séjour n'est pas encore fou. Donc, Simalène, merci. Donc, ils ont dit, pas question, tu restes ici. Tu vas aller prendre tes habits, on va te faire venir les habits, toi tu vas mettre ça où tu veux, mais tu ne repars plus. Vous comprenez? Donc ça a commencé au Mont Phoebe.
Ce mof, mais que ça a commencé l'affaire là. Oui, ils ont attrapé la veuve. Là, le bataillon, comme vous dites, le BIR était à la porte de la veuve. Et la veuve a rangé ces choses, l'a rangé. C'est qu'on dit, ok, vous, votre passeport, oh, je n'ai pas de passeport. Elle a caché le passeport dans le zout. Elle a caché son passeport dans le zout. Elle a caché le passeport dans le zout. C'est là qu'on dit que monsieur casse même dans, je ne sais pas. L'argent, on va rester, ils vont payer l'hôtel et à manger. C'est faux. Ce n'est pas ça. Il y avait plus rien à payer. Elles ont fuck up. Elles ont fuck up. On a jeté Aline la veuve dans le gros camion. Elle ne parlait pas. Elle montait seulement que les cadeaux. Aline ne pouvait pas parler. La honte était sur le... Les trucs comme ça. Elle tapait les canons. On vous dit dans la vie, il faut être humble. Si Aline avait compris, elle avait écouté les renseignements qu'il avait eu au téléphone, qu'elle avait eu au téléphone, pardon, elle devait rentrer tranquillement. Parce que là, ils vont interdire Aline de ne plus aller au Cameroun. Parce que l'affaire est sale. Comme Aline dit souvent elle-même, la terre est sale. La terre est sale. Si Aline avait compris, si elle était humble, ainsi que la veuve, vous comprenez, elle ne veut pas avoir tous ces problèmes-là. Lolo était sage. Lolo, elle a fait profil bas. Mais concernant les cris, ils m'ont dit que non, il y avait les gémissements le matin. Je ne sais pas quel gémissement parce que Lolo faisait les lives le matin avec ses frères. Je ne comprends pas quel gémissement, quand les gémissements ont sorti même de la chambre de Lolo. Si c'est le mensonge ou si c'est la vérité, c'est ce qu'ils m'ont dit, qu'il y avait les gémissements, c'est les collaborateurs du Maroc qui ont appelé pour dire que non, il y a trop de gémissements ici. Les gémissements que la personne Binda que la personne Binda l'écrit jusqu'à. C'est ce qu'elle dit, que la personne était en train de Binda là-bas. Ils ont eu les gémissements jusqu'à ils ont appelé les gens de la première dame. Vous comprenez? Donc, si Aline était sage, faites les cœurs, s'il vous plaît. Appuyez les cœurs comme ça. Partagez-moi le live là, s'il vous plaît. Partagez massivement. Si Aline était sage, parce qu'Aline a dit que non, on ne peut rien lui faire. Rien. Rien ne peut arriver à Aline. C'est ce qu'Aline a dit. Vous comprenez? Rien ne peut arriver à Aline parce qu'elle est la soeur, elle a les gens haut placés, elle a le carnet d'adresse.
C'est ce que les gens lui ont dit en disant, ok, comme tu as le carnet d'adresse, alors attends, alors, le bille va venir te soulever ici. C'est là que Lolo, elle est sortie tout le temps. Elle partait. Elle ne se mettait pas avec les autres femmes. Parce qu'elle ne voulait pas les ennuis. Parce qu'il y avait déjà trop de problèmes. Les gens se plaignaient, comme je vous ai dit. Il y avait des diplomates. Ceux-là qui ont dit la dernière fois que non, oui, il n'y avait pas les gens dans les vidéos. Allez-y bien regarder les vidéos d'Aline. Allez regarder les vidéos d'Aline. Vous allez voir les enfants derrière, les petits bébés derrière. Il y avait les enfants derrière. On filmait, la personne qui filmait Aline filmait les gens du derrière. Et les parents ont vu, les diplomates ont vu, les tels ont vu leurs enfants derrière. Vous avez crié ce qu'il n'y avait pas les enfants derrière. Allez regarder les vidéos. Allez regarder les vidéos. Allez regarder les vidéos. Donc, elles ont fait un vacarme là-bas. Comme je vous ai dit la dernière fois, il y a eu une facture vraiment colossale. La facture a été vraiment parce que les parents de Sambelima et les parents de Angevingevingeve, les parents de l'autre, les parents de l'autre là, voilà, ils allaient manger. Et ils insultaient les gens n'importe comment. On était invités par le président de la République, le directeur de cabinet, patati patata. Et vous savez bel et bien que les gens n'aiment pas les noms. Je ne vais pas me répéter. Donc c'était ça. C'est ça le scoop. Donc, l'autre a caché le passeport. Elle a eu à dire que non, elle a les menstrues. Les gens disent, même si tu as les menstrues, moi, je te donne les papiers, tu vas mettre où tu vas mettre. Tu vas sauf que retourner dans ton pays parce que vous avez trop fait. Vous comprenez? Et elle a eu son passeport, elle a deux passeports. Donc, la présidence a fait le passeport en une heure. Le passeport de la veuve. Parce qu'au Cameroun, là-bas, pour faire un passeport, il faut attendre un mois. Un mois. Donc, elle a fait le passeport. On a fait le passeport, le deuxième passeport de l'autre, là, en une heure. Donc, quand elle a eu le deuxième passeport, là, elle a vite fait sortir l'autre. Vous comprenez? Donc, c'est ça, là. Donc, c'était grave. Donc, c'est quand la bille... Parce que le décès était là-bas à midi. Le bille est venu à 16 heures prendre les femmes en leur disant que non, vous repartez chez vous, arrangez. Alors, vous avez constaté que non, Aline Zoumoubé n'avait pas échangé son argent. Elle a des francs CFA. Elle a des francs CFA. Des francs CFA. Donc, elle n'a pas pu changer son argent. Tu dis que le passeport en 48 heures, c'est là, c'est la nouvelle règle. Avant, c'était combien? C'est tout le monde qui fait le passeport en 48 heures au Cameroun. Vous êtes toujours venu parler fort. Quel passeport on fait en 48 heures? Celui qui est ensemble, il me fait fin, va faire le passeport en 48 heures. C'est là. Vous pensez que je ne vois pas, je ne suis pas ce qui se passe au Cameroun? Hein? Pour faire un passeport, eux-mêmes, Dégrément, qu'elle était partie au Cameroun, c'est l'année dernière, hein, ou je ne sais pas quand, elle avait payé 250 000, 300 000 francs pour faire un passeport. C'est là qu'ils ont fait l'affaire des passeports de 48 heures. Avant, c'était combien? Parce que quelqu'un qui est au fin fond de Sambelima va lui faire un passeport en 48 heures. Avec l'affaire de trucs. Ne me dis pas que ne discute pas avec moi, je sais ce que je dis. Même au Gabon, c'est pareil. On sait que le passeport au Gabon, c'est 48 heures. Mais les gens qui ont les passeports en deux mois, tu veux me raconter quoi? Tu veux raconter quoi? Même au Gabon, c'est pareil. Quand tu as les gens, tu prends le passeport. Quand tu as la grâce, tu fais le passeport en 48 heures. Mais il y a des gens qui vivent, qui reviennent d'ailleurs, qui font le passeport en un an, en 6 mois. C'est quoi ton truc? Tu me discutes. Dis-moi à quoi? Tu vas prendre la corruption de l'Afrique? Vous êtes toujours venu apprendre, tu veux pas la corruption de l'Afrique? Oh! Qui ne connaît pas que c'est 48 heures? C'est tout le monde qui a le passeport en 48 heures au Cameroun ou au Gabon? Toi qui demandes la parole, je te demande la parole. Je vais mettre le numéro de téléphone ici. 0033 752 56 56 25. Appelez ici. Le numéro est affiché, hein. Partagez le live. Tu n'as rien à foutre si tu n'aimes pas. Tu dis ce que tu veux, tu n'as rien à foutre. Appelez, s'il vous plaît. Le numéro est là. Tu ne m'apprends rien du tout. Tu ne m'apprends rien.
Tu ne m'apprends rien. Quand tu as connaissance, ton pasteur se met en moins de 30 minutes. Je vous dis en 1 heure parce qu'ils sont allés faire le passeport et en même temps ils partent à l'aéroport. C'est là que je dis 1 heure. C'est tout le monde qui fait le passeport en 48 minutes. Vous-même, vous ne vous payez pas la dernière fois que ça fait qu'on les gens qui font le passeport, on paye 500 000, 1 million pour faire le passeport. Toi, en tant que Camerounais, tu payes 500 000, 350 000 fois pour faire le passeport en tant que Camerounais. Ou 48 heures. C'est tout le monde qui fait le passeport en 48 heures. Oh, le numéro est là. Au Gabon, ça se fait pas, se passe pareillement. Et donc, il faut le passeport en 1 heure. Donc, il faut le passeport en 10 ans. Appelez le numéro est là. Faut me fatiguer les oreilles. Donc, c'est ça. Donc, on a refait le passeport à la veuve. Appelez le numéro est là. Appelez. Qui dit ça? Attends. Tu parles d'Aline, c'est ta copine. Aline est blogueuse d'Internet. Moi, blogueur influenceur comme elle. Que j'appelle comment? Maman Aline. Mais ça va pas chez vous. Ça va pas. Je dois appeler comment? J'ai appelé Aline comment? C'est ce que tu viens montrer que tu es tellement parenté à Aline, que tu es ta grand-mère, c'est ta tante. Si tu l'appelles tata ou maman, c'est ton problème. Oui, dis-moi ça. Allô? Allô? Attendez 2 secondes. Allez-y, on vous écoute. Allô, bonsoir Nicolas. Oui, bonsoir maman. Bonsoir à tous les Phéniciens. Une fois de plus, je me régale de tes directs. Tu nous édifies, tu nous fais passer des bons moments. Et voilà. Tout ce que tu viens de raconter est la parfaite réalité. Tout ce que tu dis est vrai. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais, à mon avis, comme tu es un grand blogueur et comme tu es beaucoup suivi, et tu remarques les renseignements généraux du 237 te suivent. Quelques posts sont en train de t'utiliser pour nettoyer l'image de Madame Moudiki. Parce que son image était très salie. Et actuellement, comme tu le dis, elle est un peu en délicatesse, mais c'est rien, ça va passer. Parce que c'est courant que les gens bénéficient des passe-droits. Ils n'en parlent pas. Comme on dit au Cameroun, tu manges, tu essuies ta bouche. Voilà ça. Et je tiens à vous dire que ces filles ont même voyagé sans faire les tests PCR. Lui, elle n'a pas fait le test. Elles ont même pas fait les tests. On les a littéralement chassées. Elles étaient dans le sans payer. Au Cameroun, on appelle les grosses voitures là les sans payer, les gros camions là. On appelle ça au Gabon Ivego, Ivego ou Ivigo, on l'appelle ça. Voilà, elles ont S'il exagéré. vous plaît, faites les cœurs. Excuse-moi, ma soeur. S'il vous plaît, faites-moi les cœurs. Non, il n'est pas signalé, il n'est pas signalé. Faites juste les cœurs. Ils vont signaler là que j'ai mis quoi là-dedans. Faites juste les cœurs, c'est tout. Ils sont en train de faire les têtes de mort, pourquoi? Vas-y. Le passeport déjà pré-signé, là, on remplit juste vos noms et vous partez. Donc, voilà, on voulait tellement se débarrasser de ces deux cas sociaux que voilà, sous haute instruction de la présidente de la République, elles ont dû quitter le territoire illico presto. Voilà. Ok, je vous. Effectivement. Merci. Et à très, très, très Oui, bientôt, merci. Nicolas. Appelez, appelez. Manuel, le comte, je crie sur toi, fais les cœurs. Si tu vas faire les cœurs, tu te dégages, c'est tout. Voilà, les gens qui sont censés faire les cœurs vont faire les cœurs pour protéger le live. Parce que vous voyez le mal partout. Vous voyez le mal partout. Comme vous êtes des fans qui ont des qui sont, comment on appelle ça, qui ont le voile au visage, vous pensez que tout le monde est comme vous.
Hein? On vient vous raconter ce que les renseignements m'ont dit. Toi, tu viens de me dire que non, fais les cœurs, tu te fasses. Je dis fais les cœurs, tu fais les cœurs, tu vas faire les cœurs, tu passes ta route. Tu n'es pas obligé de rester là. Appelez. On n'appelait pas sur le live. Appelez, il y a un numéro affiché. Vous appelez sur WhatsApp ou normalement. C'est tout. Vous appelez sur WhatsApp ou normalement. Faites les cœurs, s'il vous plaît, massivement. Le numéro est là. 0033 752 56 56 25. Donc, du coup, la veuve qui est venue nous raconter ici que non, oh, elle est partie parce qu'il n'y avait pas l'argent dans les poches, ce n'est pas la vérité. Elles ont été expulsées. OK? Elles ont été expulsées manu militari. Voilà. Voilà pourquoi sa maman a pleuré. Vous avez dit qu'elle a dit qu'elle a vu que sa mère a pleuré, que ma fille, tu rentres déjà comme ça. Voilà. Parce que normalement, elle devait aller faire un mois. Mais vraiment, dommage par rapport à leur comportement. Voilà. Et le fait qu'elles ont exposé les autres personnalités du Cameroun, voilà, qui sont en relation avec la présidence de la République. Voilà, ça a été vraiment compliqué. Et la terre est sale. Comme elles-mêmes disent, la terre est sale. Donc, allez, oust. Donc, il y avait le gros camion, là, comme on appelle le Iveco. Elles ont jeté Tata Aline. Elles étaient assises sur les... Comment on appelle ça? Elles étaient assises sur les valises. Donc, elles ont, vous voyez, sur les trucs là, il y a les bâches comme ça, là. Elles ont les... Y a les... Elles attrapaient les bâches. Elles... Vous nous amenez Pourquoi on a fait quoi? On a fait quoi? Vous retournez au pays. Et là, la conduite a dit que, oh, je n'ai pas le passeport. Oh. Allô? Bonsoir, madame. On vous écoute. Ce n'est pas grave, dites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez, ce n'est pas grave. Allez-y. Vous me dites que, attends, vous me dites que non, vous ne serez pas de mon avis. Vous me posez la question là, pourquoi? M'intervenez, ne me posez pas cette question, me dites que non, vous êtes content. Je suis en train de vous raconter, je vous raconte juste et ça me fait rire. Parce qu'elles ont dit autre chose et on constate autre chose. C'est dans ce sens-là que je rigole. Je ne rigole pas de leur malheur. D'abord, c'est elles-mêmes qui ont fomenté leur malheur parce qu'elles se sont mal comportées. Donc, je ne sais pas pourquoi je vais interrompre, m'interdire de rire aussi. Allez-y. Oui, parlez. On vous en prie, on ne vous empêche pas. Oui. Je comprends. Oui, ça. Oui, je comprends. Oui, je suis d'accord. Oui. Oui, je suis d'accord avec vous. Merci. Appelez la, le numéro qui a appelé la 78, appelez. Vous savez, on dit chez moi, chez les femmes, on dit aussi en français que là, vous êtes vous-même en train de bouillir l'eau qui va se renverser sur votre eau. Voilà. Vous dites de ne pas rire ainsi de suite. Si ces mamans-là
Ces grandes dames-là, je parle d'Aline Zoumobem et de Grégory Grimont, se sont bien comportées. Vous pensez qu'on devait parler de ça sur Internet? On devait rigoler. Dites-moi. C'est bien beau. Oui, on ne doit pas rire. Voilà, c'est pas bien. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal que des mamans de cet âge se comportent comme ça? Moi, je ne me parle même pas de la fête. Je ne prends pas les masqués. Je vais dire c'est ici, les masqués, je n'accepte pas. Tu m'appelles avec un numéro normal. Hein? Est-ce que c'est logique? Elle-même, elle doit d'abord se faire respecter. Hein? Elle doit d'abord se faire respecter elle-même. Si elle se faisait respecter, vous pensez qu'elle devait être là? C'est les seules femmes qui sont allées au Cameroun. Mais Flore au Cameroun, non? Flore n'est pas au Cameroun. Flore a eu un souci. Elle a été expulsée. On a déjà vu les vidéos de Flore où elle dit que voilà, voilà, et ainsi de suite. Non. Et pourtant, elle aussi, elle était appelée par une personnalité au Cameroun. Et même, elles ont bouilli l'eau, elles ont chauffé l'eau, pardon, qu'elles ont même elles ont renversé sur leur tête. Maintenant, vous voulez mettre ça sur les gens. Hein? Ça fait rire parce que voilà. Hmm? Je ne prends pas les masqués. Toi qui m'appelles en masqué, je ne vais pas te décrocher. Tu m'appelles avec ton numéro privé, ton numéro normal. Je ne décroche pas ton portable. Tu m'appelles en masqué, pourquoi? Hmm? Elles sont allées faire la publicité ou la promotion ou bien, comment on appelle ça? Vous venez pas dire la promotion, oui, de comment on appelle ça, de la CAN. Hein? Elles ne sont pas allées faire, on ne leur a pas demandé d'aller faire ce qu'elles sont allées faire. Hein? Je vous ai dit la dernière fois que non, c'est le fait qu'elle a fait une vidéo en parlant du bois bandé en disant que elle veut essayer ça avec les autorités. Ça veut dire quoi? Primo. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Je peux intervenir? Oui, à intervenir. On vous écoute. Allô? On vous écoute, allez-y. Je dis que... Oui. Nos frères, là, elles ont pop-up. Elles ont des... Mais en même temps, il faut les comprendre. Ça dit que cette femme-là, quand vous-même vous regardez, Aline Zoumobem et Elisabeth de Grimont, parce que c'est bien beau de rire. On rit, on rit, on rit. C'est vrai, bien vrai. Mais cette femme-là, si quelque chose arrive là maintenant, on aura fini de rire, on va pleurer. Cette femme-là, elles sont difficiles, elles ont des sérieux problèmes. Ils ont même pas vécu une histoire. On a l'impression qu'elle a oublié. Ou bien elle est passée à autre chose. Mais il y a des choses que quand on ça nous arrive, ça n'est pas facile d'oublier. Et la veuve, pareil. Elles ont des sérieux problèmes. Ce n'est pas rire. On doit plutôt trouver des solutions pour elles. Oui, mais les problèmes, c'est bien aller plus fort. Il faut bien édifier les gens sur ce que vous dites. Et pour, elles ont les problèmes par rapport à quoi? Problèmes personnels, bien par rapport. Problèmes de vie, de dépression. Ah, ok. C'est comme ça qu'on a perdu Wopson. Ouais. Mm-hmm. On riait toujours comme ça. Et un beau jour, Wopson est mort, tout le monde a mis les mains sur la tête. Les deux femmes-là sont dépressives. Mais on voyait quand même Wakso, on voyait, ma soeur, on voyait comment Wakso mangeait les trucs, les oui, trucs. C'est pas tous les fous, c'est pas, pour elle, Wakso mangeait, pour elle, même plus, c'est pour Wakso. Les gens qui se mettent en public, c'est des habits, tu appelles ça quoi? C'est ça aussi. Pour elle, même pire que pour Wakso. Donc, on doit trouver des solutions pour elle, elles sont pas normales, cette femme. Ouais. Ah oui? Oui, parce que les femmes de cette carrure-là, de cet âge-là, oui... Quand même, ouais. Je suis de votre avis, hein. Je dis les femmes de cette carrure-là, ça veut dire qu'il y a un problème en dessous. Voilà, parce que c'est bien beau, on va rire, on va rire. Mais quand il y a le malheur aussi arrivé, c'est comme ça qu'on va aussi pleurer, au lieu de chercher les solutions. Ouais. Donc, c'est ça comment j'appelais. Ok, merci. Voilà. À
Appelez. Il y a un 237 qui est appelé depuis le Cameroun. Appelez. La ligne ouverte, rappelez le 237. Appelez au 0033 752 56 56. Les numéros qui ont appelé tout à l'heure là, rappelez. Donc, ce que la dame dit là, elle est vraie aussi, qu'elles ont des problèmes. Elles ont des problèmes personnels, la dépression et tout, et tout, et tout. Voilà. La vie n'est pas. La vie n'est pas rose hein, pour ces femmes-là. Mais bon, vous savez, quand vous avez déjà un âge, voilà, il faut être sage. Il faut être sage. C'est la sagesse, je pense, qui manque à ces femmes-là. La sagesse. Je vous explique l'exemple de Flore. Flore est aussi là-bas, non? Il y a beaucoup là qui sont là-bas. Mais pourquoi elles ne se comportent pas comme ça? Parce qu'il manque de sagesse. Même quand elles sont parties au Cameroun, elles ont fait des vidéos que non, ce sont des blogueuses d'État. Blogueuses d'État. Moi, je pense qu'elles sont même conscientes de ce qu'elles font, mais comme elles croyaient que non, c'est. Voilà, rien ne va se passer. Voilà, c'est le game. Mais le game était sale. On ne joue pas avec. Comment on appelle ça? On ne joue pas avec les noms les gens là. Ils n'aiment pas d'abord qu'on les expose. On parle de n'importe comment, plus dans des choses comme ça où on parle de sexe et suite, et suite. Ils n'aiment pas. D'abord, ils sont d'abord là. On a placé les gens là-bas par rapport aux affinités. On n'a pas mis quelqu'un là-bas qui travaille bien ou quoi que ce soit. Il n'y a que des affinités. Donc, chacun veut protéger son gagne-pain. Et quand toi, tu viens encore m'exposer, ce n'est pas bon. Vous comprenez? Il y a ça. Les gens qui sont toujours au palais, là, ce sont les gens qu'on place les affinités. Ce ne sont pas les gens qui méritent leur poste. Donc, quand toi, tu viens exposer ces gens de personnes-là, ils ne peuvent pas être contents. Ils ne peuvent pas être contents. Ces gens-là ne peuvent pas être contents. Ils vont se fâcher. Ils vont, voilà, parce qu'ils risquent leur poste. Vous voyez, non? Voilà. Donc, moi, je pense qu'elles savent ce qu'elles font. Elles ont été, ce sont des mamans, ce sont des grandes dames. Voilà, donc, voilà, c'est l'inconscience, c'est tout. Hein. C'est juste l'inconscience. En plus, on vous tend la main comme ça. Imaginez-vous, quand il y aura encore la canne autrefois, on va plus appeler ces femmes-là, elles seront rouges. Quand on vous tend la main comme ça, là, on peut vous appeler tout le temps. Quand il y a des événements, même à la présidence, on vous appelle que venez. On a aimé votre show. Voilà. Mais vous êtes venus faire autre chose. Voilà, ce sont des raisons, tout le monde a des problèmes. Elles ont les problèmes plus que les qui. C'est leur comme ça, elles le font avec conscience. Là, c'est Imperial Waf qui vient de créer. Voilà, ce que j'ai dit qu'elles ont fait, c'est qu'elles étaient conscientes de ce qu'elles font. Vu qu'elles, même quand elles ont pris l'avion, elles vous ont nagué sur Internet. Qu'elles sont en business, qu'elles sont une blogueuse d'État. Donc, ce n'est pas la faute de qui que ce soit ici. On vous dit d'être sage. La sagesse est une arme. Quand tu es sage, voilà, tu traverses des choses vraiment pas possibles. On t'acclame même quand tu es sage, mais elle manque de sagesse et tout. Beaucoup de blogueuses camerounaises sont des villageoises qui chôment en Europe avec... Non. Elles n'ont recolté que ce qu'elles ont semé. À cet âge, elles manquent de sagesse, mais oui. Si on a vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle manque de sagesse. Appelez, s'il vous plaît. Il faut appeler. 0033 752 56 25. En plus, il y a la dame qui a appelé tout à l'heure en disant que non, on veut laver le nom de Mouduki. Non, pas du tout. Quand on m'appelle, on ne parle pas de Mouduki. Il parle par contre du comportement de ces dames-là. Et puis les gens, les renseignements qui m'appellent, ils avaient déjà averti les filles de se calmer. C'est même laquelle est Mouduki, pour faire quand même Mouduki. Allô? 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 Je ne vous entends pas.
Rappelez, s'il vous plaît. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le live. Faites les cœurs, partagez le live. Rappelez 0044. Je ne vous entendais pas. Le 0044, rappelez, s'il vous plaît. Mais vous-même, vous n'avez pas vu le comportement. Quand vous voyez le comportement, là, ce n'est pas l'inconscience. Il y a l'inconscience, il y a l'amusement à l'intérieur. Dit que le billet vient vous chercher et vous inventez des choses que vous n'avez plus de passeport. L'autre a caché le passeport là-bas, l'autre a caché le passeport là-bas. On a seulement dit que non, on va vous rapatrier. Elles ont cru que c'était l'amusement. C'est quand elles étaient devant l'embarcation là-bas qu'elles ont dit que ah, c'est chaud. Non, c'est fort comme ça. Vous avez vu Aline parler, Aline était vraiment époustouflée, elle était fatiguée, elle était dépassée. Jusqu'à vous montez les cadeaux, tapez les cadeaux. Le 0044 n'a qu'à appeler. Elles n'ont pas été sages. Et les gens qui ratent leur chance comme ça, je vous dis la vérité. Vous ratez la chance comme ça, pour rien. Allô? Elles n'ont pas été sages. Allô? Les gens qui ratent leur chance comme ça. Je ne comprends pas les gens. Vous appelez, tu es encore en live, tu m'écoutes. Au lieu de couper le live, je ne vous comprends pas. Appelez. Pause publicitaire en attendant. Alors, il y a 13 Bordeaux qui vend les perruques hein, et les tissages péruviennes, indiennes et brésiliennes. Donc, elle est en promotion actuellement. Vous allez sur ma page. Vous allez voir la publication là-bas. Vous pouvez commander hein, vos perruques et vos tissages. Voilà, de bonne qualité. Il y a aussi le lien sur ma page. Vous cliquez dessus. Vous allez voir toutes les perruques qu'elle vend. Voilà, 13 Bordeaux. Vous allez sur ma page. Il y a le numéro de téléphone. Il y a le lien. Voilà, vous pouvez commander vos perruques et vos tissages là-bas. OK? Voilà. Pour la pub, promotion d'entreprise, les conseils, vous m'écrivez en privé. Rappelez, il y a le numéro de la Belgique, de l'Allemagne, je ne sais pas où. Rappelez. Appelez. Pour la pub, promotion d'entreprise, les conseils, vous m'écrivez en privé. Voilà. Et abonnez-vous à le compte de l'association, association Bien-Aimant. En mars, on va lancer la cagnotte pour le Cameroun. La cagnotte fera 2 mois et demi pour venir en aide aux enfants du Cameroun, c'est-à-dire les jeunes qui veulent entreprendre. Voilà. Et les jeunes filles qui veulent entreprendre. Voilà. Donc, le 1er mars, la cagnotte sera lancée, elle fera 2 mois et demi. OK? Voilà. Donc, vous êtes déjà informé de ça. Et abonnez-vous à mon compte Instagram Mystère Le Phénix. Instagram Mystère Le Phénix. Il y a un numéro de la Belgique qui a appelé tout à l'heure. Il y a un numéro de l'Allemagne qui a appelé et du Cameroun. Rappelez, s'il vous plaît. Comme ça, je vais finir avec le live là. Je vais faire à manger. Rappelez. Vous dérangez, hein? Le Phénix, elle en fait ce dans quoi elle excelle. C'est tout. Aucune formation en France, c'est ça le résultat. Un peu, voilà. Allô? 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 Oui, bonsoir. Oui, je suis en direct. Oui, on vous écoute. Oui, le Phénix. Oui. Bonsoir. Hein? Bonsoir. On vous écoute. Voilà. Il y a d'abord il y a la veuve joyeuse. C'est une femme que nous tous on voit sur la toile. Je pense que elle ne va pas bien. Donc je ne sais même pas pourquoi on peut l'amener quelque part. Il n'y a pas un remède pour la veuve joyeuse. On ne sait plus rien faire d'elle. Parce qu'elle ne s'arrête pas. Elle n'a pas de limite. Elle n'a pas quelqu'un qui comprend. Elle n'a pas quelque chose qu'elle ne dit pas. Elle n'a personne qui peut l'arrêter. Une personne comme ça, on doit la mettre à l'écart. Moi, si j'étais à la place de ces blogueurs comme vous, comme tout le monde, déjà, toi, tu ne parles même pas d'elle. Si j'étais à la place des autres, je n'aurais même... On ne la prononce plus, on la laisse dans son cœur parce qu'elle, elle est déjà malade. Vraiment, elle est malade. Tu comprends? La veuve joyeuse n'est pas amenée quelque part. À l'état où elle est, nous tous nous voyons, nous ne nous leurrons pas, nous ne fermons pas les yeux. Cette femme ne va pas bien. Elle n'a pas de limite, elle ne s'arrête pas, elle n'écoute personne. Quand elles sont arrivées au Cameroun, déjà au départ d'ici, elle a commencé à clasher le lot.
Tout le monde a vu. Ça a commencé à péter ici. Arrivée au Cameroun, elle ne s'est pas arrêtée. Dans le bar où ils étaient à Bastos, elle cherchait seulement à bagarrer avec le loup. Tu vois qu'elle-même, elle n'est plus consciente. Ah, ça, j'avais pas vu. J'avais pas vu ça. Ils m'ont pas envoyé ça. Les gens qui m'envoient souvent des choses, oui. Elle n'est plus consciente. Donc, ce n'est plus quelqu'un. C'est vraiment quelqu'un à mettre à côté. Bon, quant à ma tata Aline, moi, je suis désolée parce qu'à son âge, il y a des choses qu'elle ne devait plus faire. Elle a une grande gueule. Elle est intellectuelle, comme elle dit, mais ça ne marche pas avec son comportement. Quand elle prend son intellectualisme, elle met à côté, elle met son comportement à côté, elle fait un peu l'égalité. Une femme de son âge, elle ne peut pas bavarder comme elle bavarde la ligne et sortir des mots qu'elle sort dans sa bouche. Il est inadmissible. Elle ne pourra rien être. Et personne ne pourra la considérer. C'était une petite erreur, un petit test qu'on les a donné comme ça. Un petit test qui n'était même rien du tout. Regarde ce qui est arrivé. Combien de fois, qu'est-ce qu'on peut les confier, ceux-là? Nous ne leur avons pas dit la vérité, c'est plus des gens. C'est plus des gens à mettre sur le marché. Elles sont rentrées comme elles sont rentrées là. Est-ce qu'elles sont conscientes de ce qu'elles ont fait? Ça continue, la bêtise insiste. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, mille directs? Elles vont pas changer. C'est des gens, il n'y a pas seulement la poubelle pour des humains, c'est ce que je vais dire. Franchement, c'est des gens pour la poubelle. Voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Appelez. Appelez là. Il y a un 0041, c'est où? C'est la Suisse. Le 0041, c'est où? C'est la Suisse. Le 0041, c'est où? C'est la Suisse? Je ne sais pas si c'est la Suisse. Que la personne rappelle. Avec le 237, c'est le Cameroun 237. Effectivement, voilà, quand on vous tend la main comme ça, il faut savoir saisir votre chance. OK? Il faut savoir saisir votre chance. Voilà. Elles n'ont pas su saisir leur chance. Elles ont fait ce qu'elles ont pu faire. Voilà, elles ont été rapatriées. Moi, je ne ris pas parce que, voilà, c'est juste les faits qui me font rire. Voilà. Elles ont caché les passeports. Elle ne voulait pas rentrer. Et Blobir a dit, non, même si vous avez caché les passeports, vous allez sauf que partir. Ce sont ces trucs-là qui me font rire. Mais tout ça, là, c'est elles-mêmes qui ont fomenté ça. Elles n'ont pas été sages, c'est tout. Elles n'ont pas été sages. Par contre, vous, les fans de Lolo, de, comment appelle, de Aline et de la veuve, vous devez par contre leur dire qu'il faut être sage dans la vie. La sagesse est quelque chose. La sagesse, il faut être sage. Mais Nana, tu ne peux pas me mettre le tort sur des gréments. Tu ne peux pas mettre le tort sur des gréments. Quand ils sont à la piscine là-bas, ce n'est pas des gréments qui faisaient le live. Hein? Pourquoi vous voulez mettre le tort sur des gréments? On vous dit qu'il y a deux personnes qui ont fuck up. Toi, tu veux mettre seulement le tort sur des gréments, tu laisses Aline où? Qui a fait le bois bandé? C'est des gréments. Mais non, Nana. Tu vas dire que non, Aline n'a rien fait. Tu as vu les vidéos? Oh, pourquoi tu veux mettre le tort sur des gréments? Il faut être impartial, hein? Pourquoi tu veux mettre le tort sur des gréments? Pourquoi? Mais non, le problème, c'est pas de clasher. On ne parle pas de clasher. On parle ici des faits qui se sont passés, qui se sont déroulés au Cameroun, au Mont Fébé. Pourquoi tu veux épargner Aline? Il ne s'agit pas des faits, des vidéos, des clashs. Ça, c'est autre chose. On parle des faits qui se sont passés au Cameroun par rapport à la CAN, par rapport à leur invitation. C'est de ça qu'il s'agit. Tu veux épargner Aline, pourquoi? C'est Aline qui a fait la vidéo de bois bandé. C'est Aline qui a dit que non, c'est la fille du président, c'est la nièce du président. Pourquoi tu veux épargner
Aline, tu laisses d'Aigrement. Pourquoi? Oui, on sait que d'Aigrement, elle est comme elle est. Oui, mais pourquoi tu veux épargner l'autre? Pourquoi? Pourquoi tu veux épargner l'autre? C'est pas comme ça qu'on fait. Mais comment tu dis que d'Aigrement s'est comporté? Tu veux que je remette la vidéo? Aïe. Attends. Tu dis que c'est d'Aigrement qui s'est comporté mal. Je vais alors te montrer la vidéo de Aline. Où elle a fait la vidéo au Cameroun. Comme vous aimez trop prendre la part, prenez les parts, ne prenez pas. Attends, je te montre la vidéo. C'est là. Moi, je ne vous comprends pas. Vous voulez mettre le tort sur d'Aigrement seul, non? Elles ont fuck up. Pourquoi c'est sur d'Aigrement que tu veux mettre? C'est pas les deux ici qu'on voit. Attendez, c'est pas ça. Tu dis quoi, c'est l'autre. Attendez. C'est où la vidéo là? Le bois bandé là. Attendez, je vous montre. Oui, la vidéo du bois bandé là. Ils ont supprimé la vidéo du bois bandé. Hein? Je ne trouve plus la vidéo du bois bandé sur Internet. Ils ont supprimé ça. Le bois bandé. Pour te montrer que... Et donc, fuck up. Toi, tu viens jamais te voir que d'Aigrement. C'est pas comme ça qu'on fait les choses, hein. Ils ont supprimé la vidéo du bois bandé. Je ne trouve plus ça. Tu as, vous avez vu la vidéo là, non, alors? Le bois bandé. Et quand l'autre là faisait le live à la piscine, à l'île Zobobem. Elle disait que oui, c'est la présidence qui nous a amenés. Elle filmait les enfants. C'est tout ça là qui a fait ça. Ils ont amené leurs parents là-bas. Vous voulez mettre d'Aigrement, pourquoi dans le paquet, vous laissez l'autre? On a tous vu la vidéo du bois bandé. On a aussi vu la vidéo où elle était à la piscine. Elle filmait les gens et tout. Faut pas être partial, hein? Il faut être impartial. Allô? Bonsoir. Bonsoir le Phénix, c'est comment? Bonsoir, madame. On vous écoute. Non, je vais intervenir. Oui, allez-y. Bon, le Phénix, moi je vais intervenir parce que je trouve que sur la toile, il y a un peu trop les gens qui parlent d'un côté, qui sont là pour détruire la vie joyeuse. La vie, je parle parce qu'il va appeler cette dame Phénix, comme question, pour la femme qui a appelé là. Parce que vous êtes les femmes sur Facebook. Quand vous appelez pour insulter les gens, vous ne dites jamais votre nom. Vous n'êtes pas incapable de vous exprimer même sur le nom. Quand tu viens, tu dis que la bonne chose, c'est toi qui m'a toi qui appelé là, cette chienne de dame-là. Oh non, mais pourquoi vous vous insultez? Pourquoi tu insultes, ma soeur? Elle a quand même, elle a deux enfants, elle a ses enfants. Et à un moment donné, il faut arrêter vos bêtises de Facebook.
Oui. Tata Lolo, moi je m'accuse, moi je donne le tort à ses trois mamans, mais je les soutiens. Tata Lolo, c'est une personne qui est influenceuse, tu vois un peu. Elle Oui. connaît qui la veut nettoyer, tu vois. Maintenant, ça me fait mal parce que les deux femmes sont en train de s'insulter. Moi j'aime la veuve, moi j'aime Tata Lolo. Moi je ne suis pas là, moi ça me fait mal, moi je m'écarte, tu vois un peu. Oui. Mais j'ai mal parce qu'ils sont en train de se clasher et ça me dérange, tu vois un peu. Mais le problème, c'est que Tata Lolo connaît la veuve depuis 25 ans. Elle aurait dû. Dit que pardon, on la met même en Garoua ou en Bafoussam ou à Douala, elle reste dans son pays. Mais comme elle croyait que peut-être comme elle a fait la table et la veuve, elle devait changer. Tu vois un peu l'autre. Donc moi, je veux que les femmes arrêtent un moment de donner des titres. La veuve, elle est malade, elle est ceci, elle doit. Ce n'est pas normal. Même toi, que tu appelles là, tu as quelqu'un qui est dans ta maison qui est malade. Même moi-même, tu parles. Même quand une personne qui est malade, tu as pris pour un souci dedans, même quand tu es malade. Plus que de donner des conseils à la veuve, c'est tout. Si ces deux filles acceptent ce qu'elles font, ça veut dire qu'ils savent que leur mère est normale. Pourquoi moi, je vais, pourquoi nous allons venir chercher la femme de la veuve joyeuse? Parce que tu ne l'aimes pas, tu te demandes dans sa part, c'est tout. On devient tout le temps insulté. Ce n'est pas normal. C'est une de notre soeur africaine. On doit la mener à comprendre que ce qu'il y a un moment donné qu'il faut qu'elle arrête. Si tu es amie avec quelqu'un qui a fait la paix, il y a des choses qu'on ne doit pas dire sur Facebook. Tu vois un peu, non? Ouais. La veuve joyeuse n'avait pas été Nicole Kenshaw. La veuve joyeuse, elle et moi, on parle souvent. Tu vois un peu? Donc, il y a les cas. Tu ne parles pas dans cette direction. Et moi, tu peux me voir, je vais commencer à appeler pour insulter parce qu'elle peut être ma grande soeur. Je n'ai pas eu cette éducation de venir insulter le maman des gens sur Facebook. Dis que non, c'est une femme qui est droguée, c'est une méchante. Devant Dieu, c'est même un péché. C'est pas bon de se dire que c'est une droguée, c'est une méchante. C'est pas bon. C'est une méchante. Oui, tu as cette femme-là. Pauvre les femmes frustrées de Facebook, vous êtes capable de vous assumer, d'assumer vos propres noms. Pour dire que c'est non, c'est moi qui appelle pour venir insulter notre femme comme toi. Ce n'est pas bien. C'est pour ça que vous encouragez les faux profils, les hommes-là. Qui passe le temps à insulter les mamans sur Facebook? Parce que vous êtes incapables de vous soutenir entre vous, les femmes. Parce que d'abord, vous êtes jalouses. La place que la veuve joyeuse a eue, vous rêvez à cette place-là. Et c'est vous qui avez conduit cette femme de la veuve joyeuse à arriver à ce point, à s'insulter avec les deux. Parce que c'est vous, vous êtes conséquent de votre jalousie, de votre haine à créer des faux profits, aller voir notre blogueur commencer à clasher. Et comme ils sont impulsifs, ils sont entrés dans les classes et ça les a commis. Ce qu'ils ont commis, c'est qu'ils ont commis l'horreur qu'ils ont commis là. Tu vois un peu, non? C'était ma part de participation pour dire que mon frère, la veuve joyeuse, c'est une personne qui est bien. Mais elle n'a pas de frère, elle est Je connais la veuve, je la connais. Je connais le Lolo et la veuve, je les connais personnellement. On a déjà échangé. J'étais déjà chez la veuve, je sais. Qu'elle est, voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'elle est comme elle est. Mais pourquoi on veut juste l'incriminer? De toute façon, que elles en font comme. Mais maintenant, oui, Nicole, pourquoi alors vous n'arrangez pas alors l'affaire entre la veuve? Parce que quand la veuve est rentrée du Cameroun, pourquoi elle a commencé à clasher Lolo? Pourquoi? Je dis, hein, pourquoi vous n'arrivez pas, vous qui les suivez, pourquoi vous n'arrivez pas à calmer la veuve de ne pas clasher sa sœur? Pourquoi? Je suis mariée, Oui. je suis en couple, moi je suis et ma fille se sent pas bien. Ça, depuis je suis sur Facebook, Oui. parce que tu as fait une direct, j'ai vu une personne qui a. Tout à l'heure, là, quand il y a une autre qui a dit Nicole, c'était moi. Oui, tu m'as dit, j'ai compris, j'ai que c'est toi, oui. Vas-y. Oui, je sais. J'ai dit que oui, je sais, tu as dit que c'était toi, oui. Non, le pays, excuse-moi, c'est juste des taquines. Tu serais sûr, tu vois tes directs, donc Oui. c'est juste des taquines. Non, excusez-moi, c'est quand tu es quelqu'un, quand tu respectes beaucoup les femmes, tu n'as jamais insulté. Non, veux juste pour te taquiner, parce que je juste pour te taquiner, pour te mettre un peu le chaud. C'est tout. Non, mais Félix, tu vois un peu,
Oui. Il peut avoir bien l'entendre. Le problème, c'est qu'il y a la jalousie, la haine. L'autre ne veut pas dépasser l'autre. L'autre va dire que non, je suis plus fort que toi. L'autre veut toujours être Mais au-dessus. attends, mais le truc c'est que qui est plus fort de l'autre en quoi, en fait? Je sais. Tu Fort dans quoi? Et maintenant, quel conseil tu donnes alors à la veuve et à Aline et Lolo pour la prochaine fois si elles se font Le inviter? conseil, je vais dire que si tu attends Lolo sur mon direct, parce qu'elle a fait un direct. Parce que Oui. moi, je suis une personne que le direct que tu vas faire là, Tata Lolo, ma soeur, déjà, on te conseille que tu fais ce direct. Si ça dépendait de moi, maman, tu ne faisais pas ce direct là. Parce que tu vas bondir la vérité. Mais ce que la veuve Joël a dit, c'est entrer dans la tête des faux profils. Parce qu'ils veulent entendre ce que tu vas dire. Tu es une grande bloqueuse, c'est reconnu, Tata Lolo. Tu n'es pas obligé de montrer à qui que ce soit que tu es une bloqueuse. Tu es une bloqueuse connue, Tata. Laisse le dire que tu vas faire le choix là, ça ne sert à rien. Tu n'as rien à prouver à quoi que ce soit. C'est que la veuve Joël a dit de toi là. On dit en parenthèse, prends ça, tu jettes au sol. Tu éteins ton téléphone, tu avances. Prie ton Dieu. Mais le truc, c'est que Nicole, allô? Le truc, c'est que qu'est-ce que Lolo viendra dire? Tout le monde sait qu'elle le problème, c'est que les gens étaient mitigés dans le fait que non, elles se sont fait expulser. D'autres disaient que non, d'autres disaient oui. Mais ça a été avéré qu'elles se font expulser. Elle va venir raconter quoi que l'autre. En fait, c'est ça le problème, je ne comprends pas. Le problème interne, c'est notre langage. Que le problème qui était là, c'est l'affaire d'expulsion. Les gens savent qu'elles se font expulser. Maintenant, elle va venir raconter quoi que la veuve va dire, quoi sur elle, qui va changer quoi dans sa vie, mon Dieu. Dis-moi un peu. Dit, mon frère, c'est pour ça que j'ai comme le pénis, c'est les faux Oui. profils. Mais si elle nous parle par contre de ce qui s'est passé, tu vois, non? On peut quand même venir répondre à la veuve pour que la veuve insulte ou quoi. Ça, là, ça ne sert à rien. Tu vois? Okay. Dans la bête, à ce temps-ci, pas dans le long qui est au Cameroun. C'est pour la vie.
saute là. Mais je vais vous traiter. Ne vous dérangez pas. Ok. Je vais vous montrer. Il y a femme sur la toile. Quand vous cassez là, vous prenez pas. Les enfants mettez sous tête moi. Vous avez tenté ça avec moi. Je suis une parenthèse, pas le parenthèse. Pas le parenthèse qui raconte, qui mange. Je ne m'en dis pas. Mais je vais vous montrer qu'il y a parenthèse, parenthèse. On va apprendre alors, on va apprendre. Ma, ok. Ma. Maman, attends d'abord. Attends. Mais je vais vous traiter, vous les faux profils. Ne vous dérangez pas. Je ne me peux pas pour vous. Et moi, il faut arrêter vos bêtises. Et comment dire avec vous, tu racontes n'importe quoi. C'est quoi ça? Très bien, je disais. Maman, Nicole. Nicole, le 1er mars à la cagnotte, comme tu es fructueuse, là, tu m'envoies seulement 3 000 euros pour aller aider les enfants au Cameroun, hein? Il n'y a pas de souci. Voilà, donc, à tout à l'heure, à tout à l'heure, à tout à l'heure, ma. À tout... de ma part, même si c'est combien de ma part. Oui, il n'y a pas de souci, à tout à l'heure, alors. Merci. Je sais, là, tu es là, c'est ça que je dis que normalement, je vais ton numéro, il y a là. Tu m'as donné 5 000 euros, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de souci, ma. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'aime pas ça. Insulter les femmes, ce n'est pas bon. Oui. Respecter la femme. Et respecter souvent nos mamans, ce n'est pas bon. Très bien. Merci. Je n'ai pas la sorcellerie dans Facebook. Je n'ai pas le vampirisme, maman. Je suis avec un seul cœur. Très bien. Ce qu'on appelle pour insulter les gens, moi, je dis les vérités, c'est tout. Parce qu'à un moment, il faut qu'on puisse arrêter de faire les choses et que les femmes se prennent les têtes pour rien. Ce n'est pas bien. Ok. Très bien. Merci, ma. Merci. Il y a un numéro là qui a appelé. Le 33-7, rappelez. Le 33-7-53 là. Appelez. Je dis que non, on ne peut plus prendre les gens en live. Appelez le numéro qui est en bas. Arrêtez de demander la parole ici. Il y a le numéro en bas. Bientôt, je vais couper. Hein. On va couper dans encore quelques minutes. Le 00753. Ah, c'est elle qui appelle. On sait même pas ça. Ça ne concerne même pas le truc. Bref. Donc, c'est un peu ça. Non, ça, c'est l'autre problème. Vous connaissez le problème d'elle. La fille. Oh, c'est elle. C'est pas ça. Allô, je suis en live, hein? À de suite, je suis en live. Donc, voilà. Donc, la famille. Donc, c'est un peu ça. La sagesse. Moi, Tata Lolo, n'a même pas fait le live. Si vous faites le live pour insulter ou bien pour parler de sa sœur, ça ne sert à rien. Vous connaissez la veuve comme elle est. Voilà. Donc, ça ne sert à rien que toi, tu viennes faire le live. Si c'est pour venir raconter votre expulsion, ok. Les gens viendront écouter. Mais si c'est pour venir répondre à la veuve, maman, ne fais pas ça. Laisse. Voilà. C'est pour répondre à la veuve, là. Ça ne sert à rien. C'est pour venir nous raconter ce qui s'est passé à moi, Infobé. Ok, on va écouter. Ok? Voilà, donc ne viens pas te ridiculiser ou bien te chamailler avec ta soeur. Si l'autre est malade, quand tu n'es pas malade, ne suis pas celle qui est malade. Voilà, c'est un peu ça. Donc, la famille, on est ensemble. On se dit à ce soir. Je pense que je vais venir faire le live sur l'affaire de MK Secret avec la Madone. Parce que la Madone est en train d'appeler là. Elle va me raconter ce qui est. Elle viendra intervenir peut-être dans le soir à 20, je ne sais pas quelle heure. Ok? Donc, soyez connectés. On est ensemble, la famille. Abonnez-vous pour la pub, promotion d'entreprise, les conseils. Vous m'écrivez en privé. Et je vous invite à vous abonner à l'association, la page de mon association. Vous tapez association bien au moins. Nous serons au Cameroun en mai. La cagnotte sera ouverte le 1er mars. Il faudra 2 mois et demi pour aller aider les jeunes qui veulent entreprendre au Cameroun. Donc, vous êtes informés qu'il y a une cagnotte qui sera lancée le 1er mars. Voilà, pour 2 mois et demi. Spécialement pour le Cameroun. Voilà. Donc...
La famille, on est ensemble. La paix, la paix, la paix. Soyons sages. Quand on fait les choses, on est ensemble. Bye.